Célébration de la victoire, Priam a dit de retourner au QG de la résistance pour célébrer la participation des Zewa à notre lutte contre Mercer. Que je suis attendu là. Te voilà! Tout le monde met la main à la pâte pour la soirée. Je peux faire quelque chose? Voyons voir. Taylan a besoin d'aide avec les lumières. Tu peux t'en charger? En dehors de ça, je crois qu'on a tout. Tu peux te reposer, t'amuser. Va voir tes amis. Tu sais que Jean a essayé de cuisiner de la nourriture Navi? Je suis fatiguée. Mais je vais terminer ça. Ensuite, au lit. C'était chaud quand même. Je vais rester un peu en... Alma semble contente qu'on se soit installé là. Je viens d'installer des lumières. Je les ai pas encore testées, mais... J'espère que ça leur plaira. Tu es doué de tes mains. Je suis sûre que le résultat sera à la hauteur. Tu penses vraiment? Je trouve juste que bricoler, c'est plus simple que parler. Les gens sont compliqués. On devrait tester les lumières. Si t'allais appuyer sur l'interrupteur, je reste ici. Au cas où mon câblage prendrait feu. C'est difficile à croire, mais regarder la qualité de l'air est un vrai plaisir maintenant. Il y a des choses que je ne connaissais même pas, comme ces sortes de nuages scintillants. Qu'est-ce que ça peut bien être? Où est-ce que c'est le truc de la qualité de l'air? Il me semble qu'il y a une jauge là. Là voilà, ça commence à s'améliorer. Les humains sont toujours nerveux la nuit. Sympa l'équipement! C'est toi qui l'as fait? J'apprécie que tu fasses l'intermédiaire avec les sœurs. Merci d'avoir aidé pour les lumières. Oh, j'ai complètement oublié de faire ça. Je suis jamais allé à une aussi grosse fête. Pinache. Tu es Billy, c'est ça? Tu as décidé de venir à la fête, finalement? Ouais, et je commence déjà à le regretter. Dany arrête pas de me regarder. Et quelque chose me dit que c'est pas parce que je lui plais. Hein? C'est peut-être parce que tu as apporté ton arme. À une soirée. Vous pouvez frapper sur vos tambourins de hippie et faire comme si on avait déjà vaincu la RDA. Mais Mercer ne se laissera pas faire. Tu as peut-être raison. Mais on mérite tous de décompresser un peu. Et de s'amuser. Ouais, amusez-vous, pendant que la RDA graisse ses armes. Harding a peut-être été cruel, mais elle accordait de l'importance à ses soldats. Pour Mercer, tout le monde est remplaçable. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est pour ça que je suis parti. Mais maintenant, je me demande si c'est pas pire. Oh, écoute, je suis juste venu prendre de quoi grignoter. Ça me change de la bouillie que nous servait la RDA. C'est déjà ça. Bizarre, hein. Je me demande ce que fait Mercer à ce moment-là. Je crois que les gens d'ici nous aiment bien. Je sais pas si c'est les mêmes que j'avais déjà récupérés. T'aurais peut-être pas du tout goûté, Rinella. Pour les prédateurs. Ça va. Eh, hey, te voilà. T'as faim? Tant mieux, on a quelque chose de spécial à te faire goûter. Tu dois absolument goûter ça. J'ai jamais essayé de les faire griller, mais la pyrolyse du sucre devrait créer une saveur encore plus incroyable. Comme les oignons frits. La cuisine, c'est juste de la chimie après tout, non? Oui, oui, merci, Alex. Garde le cours pour plus tard, ok? Tu gâches la surprise, là. Ces saveurs doivent être vécues, pas expliquées. On a cuisiné un vrai plat navier. Ça a l'air bon, non? C'est toxique pour les humains, malheureusement. Mais je suis sûr que c'est très bon. Je me sens bizarre.
qu'elle... T'en fais pas. Les effets s'estompent au bout d'un moment. Celui-là est vraiment pas mal. Pas trop relevé? Maintenant que tu le dis, c'est un peu... Oh, ça pique! Tu as créé des liens avec les Essois. Leur force nous sera indispensable pour la suite. N'en prends pas une si grosse! Trop tard. Oh. Tu veux un peu d'eau? Non, ça va. Oh, mais pourquoi? Pourquoi ça... ça crépite dans ma bouche? Ça t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'était... intense. Je t'avais prévenu. Sois plus clair la prochaine fois. Je voulais partager ma douleur. Waouh, merci. Je sais que Jin Yong et son équipe ont fait de leur mieux, mais nos vieilles rations étaient meilleures que ça. Je sais pas. J'ai apprécié les émotions de chaque plat. Ce sont bien des mots de diplomate, ça. Et si on essayait de profiter un peu? Tu n'as pas le cœur à la fête? Franchement, je préférerais tester la laine de Zakru que les Essois m'ont donnée. De la laine de Zakru? Cool! Qu'est-ce que tu vas en faire? Eh bien, elle est assez épaisse. Je vais devoir être inventif. Tu devrais demander à Jin Yang de te faire de grosses aiguilles. C'est une très bonne idée. Je vais lui en parler. Merci. Ah, bonjour. Je suis fatiguée. Ça, c'est un éclairage de fête. Vous vous amusez bien? J'essaye de convaincre Solek de m'apprendre le lancer de couteau. Il me dit qu'il ne sait pas faire, mais je crois qu'il ment. Je ne lance pas mes couteaux. Ce ne sont pas des jouets. Si t'en as autant, c'est forcément pour les lancer. C'est pas vrai, hein? Si seulement tu t'entraînais au lieu de bouder toute la journée, tu serais un vrai guerrier. Et tu lancerais le couteau. Ça ressemble à un défi, Nor. Ok, Solek. Je vais te prendre au mot. Entraîne-moi. C'est d'accord. Mais avant, il faut que j'aille voir ce que Harding a volé au clan. Je t'accompagne. J'ai envie de voir ça. D'accord. Et après, on pourra peut-être commencer l'entraînement. Avec plaisir. Désolée d'interrompre vos festivités, mais je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Je suis dehors sur la plateforme d'observation. Ok, j'arrive. Taylan m'a fabriqué ça. Il est adorable. J'apprécie que tu fasses... Regarde-toi. Tu as tellement grandi. On a beaucoup changé. Nous tous. Je suis si fière de notre résistance. Notre ? Regarde. Ça, c'est Sarento. C'était au fond d'une boîte. Avec tout ce qu'Harding a dérobé à notre peuple. Nous avons réussi à le récupérer. C'est tout ce qui importe. Nous? Ils ne l'ont pas volé à vous. Mais nous voulons la même chose. Et c'est vous qui décidez de ce que c'est. Ce que l'on veut. Ce qu'il faut faire. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est le meilleur pour vous. Vous protéger. On n'avait pas besoin d'être protégé quand on avait notre clan. Où était votre protection quand Harding m'a forcé à tenir une arme? Et qu'elle m'a cassé les doigts pour y arriver? Ou quand Mercer a fait battre Taylan pour avoir mouillé son lit? Il en a longtemps gardé les marques. Il m'avait dit d'arrêter. Ou encore quand ils ont emmené à Harry. Je...
On ne l'a plus jamais revu. Harry. Vous n'avez absolument rien fait pour Harry Mercer. Vous êtes aussi responsable du mal qu'il a fait. Anna. Pas maintenant. Anna. Priya, tu peux répéter ? Ça va être la guerre, je le sens. Moi qui pensais que ça allait être une petite mission tranquille. Comme au bon vieux temps. Il faut l'enfermer, celle-là. J'espère qu'ils vont pas m'enlever tout mon équipement. Hein. Plan d'évasion. Changement de mission. Où je suis ? Comment je suis arrivée là ? Billy ? Billy Nash, c'est toi ? Mais comment ? Je t'entends pas trop, là. Alors, on fera les retrouvailles plus tard, hein ? En attendant, tiens bon. Bon, je vais te faire sortir de là. La porte de la cellule devrait s'ouvrir sous peu. Viens me rejoindre maintenant. Je suis dans la salle de sécurité. Mène-toi ! Billy ? C'est toi ? Où sont les autres ? C'était le bordel. J'ai vu personne. Mercer et Harding nous ont trouvés dans les décombres. Mais comment tu peux faire tout ça si Mercer nous a capturés ? Le talent. J'ai réussi à les convaincre que je voulais revenir dans leur camp. Et maintenant, je vais te sauver. Et je bossais là, si tu veux tout savoir. Enfin bref, continue d'avancer. Te fais par Terry et rejoins-moi dans la salle de sécurité. Par en dessous. Ouais. Je canarde tout ce qui bouge, comme ça pas de jaloux. Un peu limite là. Enfin, c'était pas trop tôt. Bon, ok. Voilà le plan. Avant de discuter de ce plan, comment as-tu convaincu Mercer et Harding que tu étais de leur côté ? Avant que tu dises quoi que ce soit, sache que j'avais pas le choix. C'était ça ou mourir. Et puis, je t'ai aidé, non ? Donc, je suis supposée te faire confiance ? Je connaissais ton droit, et je sais comment... C'est lui, ça se trouve qu'elle trahit notre position. J'ai pas tellement le choix. Bon, comment on sort d'ici ? Écoute-moi bien, je suis en forme aujourd'hui, alors fais ce que je dis et on sortira d'ici vivant. Il y a des AMP partout. Bon, je sais que t'es grande et bleue, mais essaie de pas te faire repérer. Bleu survivra aujourd'hui.
Bah oui, tu peux pas le faire avant, connard. Putain. Personne ne m'attarde tant que je suis là. MP sont en dessous. Allez, courage. Notre garde est bientôt terminée. Quel temps magnifique. Mauvaise nouvelle. J'ai intercepté une communication disant que cet endroit piste le Samson de la Résistance. On peut les prévenir ? Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? Attends, je regarde. Le système de refroidissement. Mais oui, je suis un génie ! Tu peux m'expliquer ? Sans système de refroidissement, ce site atteindra vite un seuil critique. Et avec la quantité de carburant sur place, tout explosera. Le système de ventilation centrale est balisé. Tu devrais trouver facilement. J'ai l'impression qu'on est sur la bonne route. Ça me fout un doute là, parce que... Non, c'est bon. Deuxième et HS. Ouais, ça marche. Parfait. Tu sais, ce serait beaucoup plus facile avec mon équipement. Trop charge, fais-moi confiance. Suis les indications jusqu'à la salle de ventilation. J'ai piraté la porte, donc logiquement la lumière devrait clignoter. Ah, je sais pas, j'ai cru que j'aurais du truc là-dedans, mais final. Par des emmerdes. Ouais.
continuer à chercher une issue. C'est verrouillé. Je m'en charge. Une seconde. Billy, je vais dans la bonne direction? Ouais, je te vois. Je pensais pouvoir éteindre ce ventilateur. C'est le meilleur moyen de filer d'ici. Tu vas devoir le pirater. La bonne nouvelle, c'est que je crois avoir trouvé ton matos. Enfin une bonne nouvelle. T'es en train de faire une danse de la victoire? Bah ouais, bien sûr. C'est bon. Super. Bon, maintenant on retourne dans la salle de ventilation et on va pirater le système. Enfin prêt à faire la guerre. Violent, hein. Je sais même pas où il y a mon truc. Ok. C'est pas long. Je vois que là. Enfin bref, je voulais te dire. Tu sais ce que j'ai dit à Mercer? Quoi? Quand tu m'as vendu pour sauver ta peau? Ouais, ça, voilà. Oh, je suis désolé, j'ai paniqué. C'était vraiment pas cool de ma part. Je tenais à te le dire, c'est tout. Excuse acceptée. Ils sont trop bons ici. Tu n'as nulle part où aller. Tu vas crever ici en fleur. Tes conneries en valaient la peine, j'espère. Parce que tu verras plus jamais la lumière du jour. Pas de quartier. Oh merde. Donne-moi une bonne nouvelle, Billy. Je pense que tu as bien protégé. Ça risque de me prendre un moment. S'il te plaît, essaie de pas mourir en attendant, ok? Thank you.
j'ai l'impression que ça ne marche pas en fait sur lui, c'est super. On m'avait pas prévenu que certains étaient... Merde. Ah non mais c'est génial. Putain. De bouffe qui sont... Ça va marcher, ça. Ouais. Faut retrouver. Putain. Costaud, lui, hein. Immortel lui. J'ai trouvé quelque chose ici. Ouais, là les deux derniers. C'était juste. Continue de te dépêcher. Ça va pas tarder à péter par ici. Où est-ce qu'on se retrouve? Je crains que ce soit mon dernier appel. Mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois se racheter. Manuellement la dernière étape du système de refroidissement. J'aurai pas le temps de sortir. Oh merde. Je reviens te chercher. Essaie de gagner du temps. Si on attend, tout le monde va mourir. Bon, quand j'aurai appuyé, t'auras genre 20 secondes pour sortir de cet enfer. Je savais que t'allais vouloir jouer les héros. À mon tour maintenant, ok? Billy ? Billy ! Alors on est où là ? D'accord. Mince, il me cherche. Ils sont tellement nombreux. Je vais être dans la merdasse. Je suis pas dans la merde. Tant qu'il se casse l'hélicoptère. Donc 3 tangos. Thank you.
beaucoup de monde à gauche, hein. Qui fasse demi-tour dans sa ronde. Entre nous, les généraux, ils improvisent au jour le jour, non ? Putain, il va pas rester là comme une andouille. Hein. Est-ce que toutes les créatures ici ont un de ces liens de mon nom ? Je qui pas d'attaque au corps à corps. Ah d'accord, ils sont immortels. Sympa, sympa, sympa de le découvrir comme ça. Voilà, il y a 150 000 grenades qui vont nous tomber dessus. Pas très agréable, hein, de voir que notre truc fonctionne pas sur eux. Priya ? Allô ? Priya ? Tu m'entends ? Je crois pas. C'est toi ? T'es en vie ? C'est formidable. Pas longtemps. On a cru. C'est une super nouvelle. Elle va prévenir les autres. Où êtes-vous ? Tout le monde va bien ? C'est une longue histoire, et... Et j'ai perdu Billy. Oh non ! Pauvre Billy ! J'ai pu m'en sortir grâce à lui. Il s'est sacrifié. On doit se concentrer sur les survivants. Pour ceux qu'on a perdus. Oui, et à ce propos, je m'inquiète pour Taylan. Il est pas revenu. Il n'est pas monté dans le Samson avec toi ? C'était le chaos. Il a dû prendre peur. Comme nous. Je vais essayer la radio. Taylan ? Tiens. C'est moi. Taylan, tu m'entends ? Tu es blessé ? Taylan, parle-moi. Où es-tu ? Je viens te chercher et je te ramène à la Résistance. Non, pas là-bas. D'accord. Où est-ce que tu veux aller ? Peu importe. Rien n'a plus d'importance. Tout le monde s'inquiète pour toi, Taylan. Je m'inquiète pour toi. Bien sûr que non, enfin. Si, c'est ma faute. Il a dit qu'il tuerait personne. C'est lui qui a balancé. De qui tu parles ? Je lui ai parlé avec ma radio. Il m'a dit qu'on serait à nouveau réunis. Comme une famille. Alors, je lui ai parlé de notre petite fête. Mercer ? C'est à Mercer que tu as parlé ? Il voulait savoir quand arriver. Pour que les soldats nous laissent tranquilles. Dis-moi où tu es. Taylan ! Lui aussi, il aura droit à une grosse coquille. Bon, et ben écoutez, hein, prochaine mission, ça sera Perte et Ruine. On va essayer de retrouver notre ami.